Nous allons faire la pire liste tant attendue des animaux que je bats la bagarre. Sachant qu'il y en a vraiment beaucoup, je pense, que je bats la bagarre. Hein. Donc voilà, spéciale dédicace à tous ceux qui l'ont fait avant moi. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer qui est qui. Ah, c'est genre tier list, mais en bagarre, je m'y attendais pas. Vous allez voir. Vous allez voir, je pense que je vais vous choquer, chat. Je pense que je vais vous choquer. En catégorie, du coup, dans la tier list que j'ai sélectionnée, nous avons... Speedrun mort et 10%. Ça, c'est pour les animaux qui me fument ou j'ai pas une chance. Je suis sa pu... C'est juste avant ça. C'est genre, il me tue pas, mais genre en mode, je suis vraiment sa chose. Ah bah si, je pense que... je pense que je suis un peu sa chose quand même. Mais un peu moins que celui-là, que le premier. Je meurs dans l'honneur. C'est que quand même, j'arrive à me défendre un peu, ok? Il se passe quelque chose. Serré, que le sort me soit favorable. Là, c'est... On sait pas qui gagne. Ça peut être moi, ça peut être lui... On sait pas, ok? Petite côte cassée, mais au calme. Je domine. Je domine le match-up, ok? Je transpire un peu. C'est vas-y, ça me fait faire un peu de sport, mais c'est la promenade. Je le monte en l'air. C'est l'équivalent du speedrun mort et 10%, mais pour lui, quoi. À main nue ou avec une arme? Féfé, moi, je parle de combat à main nue, là. Attendez, Dagvar, on fait les règles ensemble, chat, ok? On fait les règles ensemble. Pour moi, là, c'est dans mon état, aujourd'hui... Genre comment je suis aujourd'hui, sans armes, avec juste mes poings. Et mes dents et tout, tu vois, genre tout ce que j'ai en ma possession, quoi. Main nue, départ debout sur tes appuis. Ouais, voilà, main nue, départ debout. Juste que je sais pas, mais là, ça, si, il y en a quand même quelques-uns d'animaux aquatiques. Animaux aquatiques, on part du principe que c'est dans un milieu où, genre, j'ai pied et que ça arrive à mes genoux, genre. En mode, je peux me déplacer et l'animal dans l'eau, il peut se déplacer aussi. Ok, chat? Vous voyez le truc? En mode, on considère que c'est arme égale, genre sans arme, sans rien, debout, juste nous tout nus. Tout nus, on se bat. Et pour les animaux marins, aquatiques, c'est j'ai de l'eau jusqu'au genou. Genre, je peux quand même me déplacer et tout. On valide les règles? J'attends d'avoir une validation de l'équipe d'abord. Avec ou sans Mad Monk? Là, je suis sous Mad Monk. Donc, on considère que je suis sous Mad Monk. C'est ok, ok, let's go. Let's go, chat. Premier truc. Kangourou, chat, je pense que je meurs dans l'honneur. Je m'explique. T'es sa chose. Attendez, je m'explique. Je meurs dans l'honneur, je vous dis pourquoi. J'ai vu une vidéo d'un kangourou qui va attraper le chien d'un mec. Et le mec, il en... Le kangourou, il fout des droites et tout. Je vous jure, j'ai déjà vu ça. Donc, je pense que tu peux avoir du répondant face à un kangourou. T'es sa chose. Ah mais je pense que je meurs. Mais je meurs dans l'honneur. Je pense que j'arrive à lui mettre une mandale ou deux, tu vois. C'est violent les kangourous, ouais, vraiment. En vrai, dans l'honneur, Arnaud, le combat serait super épique. Je pense vraiment que je suis dans l'honneur. Attends, je vous fais une petite piqûre de rappel. Chat, pas de sport depuis 3 mois. Guettez. Hey. Le kangourou, il sait pas à qui il a affaire lui aussi. Hein. Et ouais les mecs, je fais la taille du kangourou, hein. Je fais la même taille que le kangourou, il a plus de musculature. Moi, je pense que je meurs, mais dans l'honneur. Je pense vraiment que j'arrive à lui mettre 2-3 claques qui ne mettent pas bien. J'ai vu Arnaud en vrai, je peux vous assurer que le kangourou va manger. Dis-leur qu'il a bu. Biceps égale bagarre. Attendez, j'ai des antécédents, chat. J'ai des antécédents. Vous avez devant vous un ceinture orange-verte de judo, ok? C'est pas n'importe quoi. Je crois que c'était ça, je me rappelle même plus tellement, c'était il y a longtemps. J'ai un background. J'ai fait du judo. J'ai fait du jujutsu. C'est tout, en fait. Ouais, je sais pas. En vrai, on s'en fout. En vrai, vas-y, j'y vais en mode animal. Il y a pas de judo dans l'histoire. Je vais faire ogoshi au kangourou. Non, en vrai, de vrai, chat, je meurs dans l'honneur. Je pense vraiment que j'arrive à lui mettre une ou deux beignes. Qu'il désarçonne un peu, tu sais. Parce qu'il arrive, il fait comme ça, en plus ça met la tête en arrière. Un kangourou, ça se bat comme ça, là. Oh, moi, je pense vraiment que ça se joue, chat. Il a dit ça comme s'il avait fait de mi-sport de combat, je te jure, alors j'avais 12 ans et demi. 12 ans et demi, mais j'ai failli quand même tuer une meuf au judo. Au jujitsu, pardon. J'avais déjà raconté, mais j'ai failli tuer une meuf au jujitsu. Hein. Donc, je suis pas n'importe qui. Hein. Quoi? Les gars, j'ai une excuse. J'étais le plus fort de mon cours au jujitsu. Et à chaque fois, le prof, il me prenait pour montrer les exemples. En mode, vas-y, viens, tu vas leur montrer comment on fait ça, telle prise. Et il y avait une meuf, je crois qu'elle s'appelait Audrey. Il me disait, vas-y, montre sur Audrey telle prise, tu vois. Donc, je lui fais au ralenti, j'attrape Audrey, je l'amortis pour la poser par terre pour montrer comment on fait le déroulé de la prise. Et elle s'est vexée, Audrey, et elle a fait,
Mais je suis pas en sucre, hein, tu peux me faire le vrai truc. J'y ai fait le gros truc, elle est tombée à plat sur le dos comme ça sur le tatami. Elle était en mode, elle pouvait plus respirer et tout. Je fais, mais c'est elle qui a demandé et tout. C'est pas ma faute. Moi, à la base, j'ai fait tout doucement. À la base, j'ai fait tout doucement en mode gentleman. Et elle s'est vexée, elle m'a dit, je suis pas en sucre, fais-moi la vraie prise. Et après, elle se plaignait, elle était en détresse respiratoire. Bah, c'est pas de ma faute, hein. Lego, elle a cherché, voilà, c'est de la faute. C'est de sa faute. C'est quoi ça, le rat musqué, là? Ça, c'est... C'est un castor? En vrai, castor, je pense... ça se met en mode... Je transpire un peu. Ce qu'il va faire quoi? Il va essayer de me mordre. Tu lui mets un coup de pied en prenant de l'élan, mec. Mais je pense même qu'en fait, en vrai de vrai, si c'est départ à arme égale, genre en mode on est face à face, et que je cours, je shoot dedans comme si c'était une balle de foot, quoi. Et je suis tranquille, je pense. Même s'il arrive à me mordre, il va faire quoi, genre? Coup de dent dans le tibia, miam. Mais moi, je pense que jamais il me touche, hein. Si on est départ face à face. Si c'est juste un castor... Ah oui, c'est du 1v1, les gars, c'est du 1v1. C'est du 1v1. Un castor, c'est gros. En vrai, castor, si c'est lui qui commence, genre en mode t'es pas attentif, il arrive par derrière, clac, il te niaque la cuisse. Là, tu prends cher. Mais en vrai de vrai, si c'est 1v1, genre en mode t'es en face... Et il y a un mec qui fait 3, 2, 1, go! Je pense vraiment qu'il a aucune chance. Tendon d'Agile, tu tombes et hop, la jugulaire. Ouais, mais en vrai de vrai, ça arrive jamais. C'est je cours, je mets un shoot et on n'en parle plus, quoi. Tu l'étrangles, c'est fini. Moi, je pense juste une grosse patate, hein. Un gros coup de pied. Gros coup de tatin, on n'en parle plus. Ça, par contre, je pense que c'est solide, hein. C'est une iguane? Un iguane? C'est pas un dragon? Ah non, il est là, le dragon de Komodo. Ça, par contre, je finis dans un sale état, je pense. On n'en est pas encore là. Un iguane, en vrai de vrai, je pense, tu transpires un peu. Mais il va faire quoi, l'iguane? Genre, je pense... Mais non, mais ça doit être la même catégorie, en fait. Je pense que c'est vraiment la tier list où il faut regarder les reportages naturels, géographiques et les animaux se fight. Ouais, mais les animaux qui se fight entre eux, c'est différent. Ils sont à armes égales. Là, on parle vraiment d'un truc, on est dans une boîte et on se dit, vas-y, 3-2-1 sur un ring, tu vois. C'est pas gros, un iguane. Moi, je pense que iguane, tu l'éclates. C'est le même délire que le castor, tu lui mets un coup de pied, et voilà, quoi. Tape griffe d'iguane sur Google. Griffe d'iguane. Wow! Ah ouais, faut que j'attaque en premier par contre. Ah ouais, non, là, faut vraiment attaquer en premier par contre. Ouais, mais après, à côté, il y a ça. Il est manucuré, il y a rien là. Lui, oui, lui, il est terrifiant. Lui, il est terrifiant, mais franchement, lui, bon. C'est tranquille, quoi. Non, c'est tranquille, c'est tranquille. Je pense, en vrai de vrai, si on se dit, vas-y, c'est un 3, 2, 1, go, tu l'attrapes par la queue, tu l'envoies comme un lancer de marteau. Ouais, j'avoue, je fais tourner comme ça. En vrai de vrai, je pense, il y a peut-être un monde où je transpire. Parce que, je sais pas, ça me donne l'impression que c'est un peu vif, ça. Vous en dites quoi, chat? Non, mais en vrai, je le shoot, et voilà, genre, c'est lance à merde, je le shoot. Je le shoot. Là, par contre, ça, c'est quoi? C'est genre un boa constrictor. Je pense que je meurs, même pas dans l'honneur. Je vais faire quoi, mec? Je vais le croquer? Le piton, tranquille, tu fais un nœud, c'est win. Mais tu peux pas faire un nœud. Tu peux courir vite. Mais je crois que ça va à 40 km/h, hein. Attends, vitesse python. Déjà, est-ce que c'est un python? Vitesse d'un python. Il avance à 1 km/h. Je cours sur le ring jusqu'à ce qu'il ait plus de force. 1 km/h. Faut pas qu'il t'attrape. Mais les gars, 1 km/h, jamais il m'attaque. Jamais il m'attrape. 1 km/h, c'est quoi ces histoires? Tu peux fuir. Ouais, mais vas-y, en vrai de vrai, non, on considère pas qu'il y a la fuite qui est praticable. On considère qu'on arrive et on se tape. En vrai, si on se tape, je meurs. 29 km/h. Ah ouais, 29 km/h, jamais... Ah ouais, 1 km/h, ça doit être sa vitesse de croisière, quoi. Ça, t'as rien à faire. En vrai de vrai, attends. Là, je vous parle sérieux, chat. Il commence à s'enrouler autour de mon bras, par exemple. Il y a pas un monde où je croque? Genre, je le tue, je croque. C'est ta vie ou la sienne? Moi, je croque de toutes mes forces, je l'arrache, non? En vrai... T'es là, t'as le serpent, tu fais genre... Tu mords au sang, tu vois. Non, c'est FF. Même si je croque, mais genre je croque pour comme si je croquais dans un sandwich. Comment croquer dans un muscle? C'est musclé, c'est gros machin, non? Et ouais, mais regarde, quand tu manges du steak, t'arrives à transpercer ton steak, hein. Tu dois avoir la peau dure. Ouais, c'est vrai. Vous pensez que des dents humaines, ça passe pas à travers la peau d'un serpent? Et qu'il y a bien des pays où ils en mangent du serpent. Moi, je pense que t'arraches. Attends, je vais taper Python sur... Python. Python... Il m'arrache, c'est énorme. Ça
celui qui a dit c'est zoomé et tout, mais jamais, mais jamais je croque dedans. Il se met autour de moi, c'est fini. C'est fini. C'est peut-être même un speedrun. En vrai, non, c'est pas un speedrun parce qu'il m'asphyxie, donc c'est lentement mais sûrement. Ça, ça se voit, c'est tricky vu qu'elle est bleue, je pense qu'elle est empoisonnée. Après, je l'écrase en vrai. Et ouais, même si elle me saute dessus. C'est quoi ça, chat? Ça a l'air empoisonné, ça. Venimeux. Et ouais, là shooter dans une grenouille, les gars, je pense qu'il faut avoir une... Faut être précis de fou, hein, c'est impossible, en vrai. Genre, faut pas qu'elle me touche. Moi, je pense qu'une grenouille, si elle a pas envie que tu la touches, tu la touches pas. Hein. Écris grenouille bleue. Vas-y, je vais regarder, attends. Grenouille bleue. Moi, je pense que la grenouille... Ah bah, c'est elle, c'est exactement la même image. C'est une Dendrobate Azureus. Variante morphologique de l'Est. Bon, on s'en fout. Coloration bleue qui lui a apporté une grande popularité chez les herpétophiles amateurs. Grenouille qui pèse 8 grammes, 3 à 4 cm. La grenouille a une durée de vie typique de 5 à 7 ans dans la nature. Sa peau bleue vif, généralement plus sombre autour de ses membres et ses estomacs, sert d'avertissement aux prédateurs. Les glandes toxiques situées sous la peau servent de mécanisme de défense pour les prédateurs. Ce poison paralyse et parfois tue les prédateurs. Ouais, mais ça tue des prédateurs qui font sa taille, genre, mec, je l'explose et je la monte en l'air. Il y a même pas de transpiration, je la fous droit. Bon, là, par contre, un dos argenté, les gars, en vrai de vrai, c'est speedrun mort et 10%, là. Un dos argenté, les gars, il y a aucun monde où je fais quoi que ce soit. Là, tu fais rien. Le truc, ça t'arrache, je pense. Mais oui, c'est sûr, c'est tellement mort, ouais, je pense, c'est archi mort. Dos argenté, les gars, c'est... C'est bonne chance. Je me mets en boule et j'attends qu'il m'arrache le plus vite possible, genre. Là, il y a moins 1000% de chance de le battre. Vous, en vrai de vrai, vous pensez même pas une claque. Même pas. Une grosse claque dans sa mère. Moi, je pense en vrai, j'y mets une daigne. Une. Et après, il m'arrache. Ça doit l'énerver encore plus. Il dit, t'as touché le roi de la jungle, là. Et il fait... Et après, il me fume. Je pense en plus ça a des crocs de fou, une patate de fou, il y a tout, je pense que je me fais arracher, vas-y je mets en mort et 10%. Raton laveur, en vrai je pense que je transpire un peu parce que j'ai déjà vu, ça court vite quand même. Mais vas-y c'est tout petit, en vrai mais j'ai pas envie de taper ça, c'est trop mignon. C'est un Pedro, je l'arrache en vrai non? Elles ont l'arrache ces bêtes là. Ça a des dents pointues. Raton laveur c'est enragé, ça s'agrippe aux jambes. Ouais, mais vous pensez que ça grippe aux jambes? Genre, au point où ça peut me battre? Ça peut pas me battre, quand même, en vrai, chat. Tu tues Pedro, OMG. Oui, large. Mais les gars, mais vous êtes fous, quoi? Ça fait 40 cm, tu fais 1m80. Je l'arrache tous les jours, genre. Même s'il me griffe ou qu'il me mord. Je vais pas me laisser tuer par un truc qui fait 12 cm. Genre, même s'il arrive, il me mord la jambe. J'attrape par le cou, je serre, je sais pas, je me... Genre, on parle d'un truc où tu te bats pour ta vie, les gars. Tu te bats pour ta vie. Le truc, il arrive, il est comme ça. Genre, ça doit faire cette taille. Genre, il arrive, il te mord comme ça. Quand ça t'est en mode... Non, non, Pedro. Tu prends comme ça, là, le coup. Et après, tu le fracasses, genre. Tu le fracasses, tu te laisses pas faire. C'est, on parle d'un truc, c'est une question de vie ou de mort. Tu te surestimes un poil, Arnaud. Non, mais jamais de la vie, les gars. C'est vous qui me sous-estimez. Un raton laveur, je le foudroie. Moi, je pense que je le foudroie. Il y a un monde où il me fait un peu transpirer. Parce que ça court vite, mais si c'est un combat 1v1 mise à mort, mais jamais de la vie, il me tue. Jamais de la vie. Je pense que je transpire en revanche, parce que d'après moi, ça court. Tu le tabasses, mais tu ressors avec des bonnes griffures. Ouais, ouais, je pense. Je pense pas à code cassé, mais je pense en vrai, je transpire. Ça fait 9 kilos, mais voilà, ça fait 9 kilos. J'ai juste à m'allonger dessus. Ça, c'est quoi? C'est un zèbre ou c'est un... comment ça s'appelle? Je crois qu'il y a un truc qui ressemble aux zèbres et qui existe et qui ressemble à ça. Parce que là, on dirait pas tout à fait un zèbre, on dirait le truc que j'ai en tête. Le truc que j'ai en tête, ça ressemble à un croisement entre un zèbre et un tapir. L'okapi, c'est ça, ça ressemble à un okapi. Okapi. Ah non, c'est pas un okapi, c'est clairement un zèbre. Ok. Zèbre, je me fais foudroyer. Tu peux rien faire, mec. Peut-être okapi. Non, non, j'ai regardé, c'est un zèbre. C'est un zèbre. Okapi, c'est que l'arrière-train qui est zébré. Je pense que je me fais monter en l'air. Je meurs dans l'honneur. Mais même pas, les gars, tu te prends un coup de sabot, t'es fini, genre. Je pense que je meurs, hein. Le zèbre, il va faire quoi?
Mais les gars, c'est comme un cheval, je me prends un coup de sabot, je suis foutu, genre. Mec, attends, tu sautes au cou. Mais moi, je pense que je t'ai jamais assez vif. Bonjour, Linka, pour sauter au cou. Environ 350 kilos, un zèbre. Mais les gars, même si je saute au cou, il va courir avec moi, il va me secouer, je vais lâcher et tout. Je pense que je peux rien faire. 350 kilos, c'est FF, je pense aussi. Ça... Hop, éléphant, y a même pas de débat. Le merdier, ça court à 40 km/h, ça fait 3 tonnes. Je vais faire quoi? Je vais faire des bisous, genre. C'est haut, impossible, c'est impensable, genre. L'éléphant, il me fout droit. Ça, c'est pareil, hein. Ça, c'est... Ça, je me dis... Attendez, chat. Le cerf. Le cerf, est-ce qu'il n'y a pas un monde où je peux attraper ses cornes? En vrai, non. Ça doit avoir tellement de force, je me fais atomiser, je pense. Parce que je me disais, vas-y, j'attrape ses cornes et tout. Mais je pense que c'est... Ça, je pense, je sors avec des séquelles, hein. Je vais mettre... Je vais mettre petite côte cassée. En vrai, c'est pas les côtes, mais je pense que je finis un peu transpercé, hein. Le porc épic, les gars, il se met dos à moi. Même si je peux le fumer, c'est pas... Y a des hérissons, c'est minuscule. C'est pas un hérisson, c'est un porc épic. T'as forcément des séquelles, hein. Ça arrive à ne pas se faire bouffer par des guépards et tout, donc bon. Y a des cerfs qui arrachent la tête d'autres cerfs. Ouais, j'avais déjà vu des... J'ai déjà vu une photo d'un cerf qui a la tête d'un autre cerf sur sa... dans ses cornes. Même niveau qu'un raton laveur, Imo. Non, moi je pense que tu te blesses plus avec un porc épic, hein. C'est vrai, tu te bats tout nu. Mais oui, mais on est en 1v1, en 1v1 tout nu, genre. Un kick, c'est adieu. Eh, mais le kick, tu t'en pales les pieds, mec. Un kick, tu t'exploses les pieds, hein. Tu peux avoir une aiguille qui pénètre dans tes veines et paf, arrêt cardiaque. L'iguane, tu le montes sans transpirer. Iguane, ouais, sûr, tu cours, tu mets un... Tu cours et tu shootes comme si c'était une balle de foot. Jamais il se passe quoi que ce soit. Pour te rentrer en l'iguane. Non, mais en vrai, l'iguane, moi, j'ai pas peur. Par contre, le porc épic, je pense vraiment que tu sors avec des petits problèmes. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que ça, il y a moyen de se blesser de fou. T'as déjà vu un ratel, l'un des animaux les plus agressifs de tout l'espace-temps? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Un ratel, c'est quoi? Ratel... Ça c'est vilain, ça. Vous êtes où, Mimi? Ben non. Ok, j'ai rien dit, c'est pas si Mimi. Les ratels, c'est des fous furieux. Mais je connais pas. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un chimpanzé. Chimpanzé, les gars, c'est serré, non? Je m'en rends pas compte. C'est peut-être je meurs dans l'honneur. Il t'arrache. N'importe quel singe, t'es mort, en vrai. Mec, tu peux quand même, là, j'arrive quand même à lui mettre des coups, hein, chimpanzé. Chimpanzé, c'est toi, mais en mieux. Et ouais, je suis d'accord, donc je meurs. Mais je pense qu'il se passe des trucs. J'arrive quand même à lui décrocher une droite et une morsure, quoi. Archimusclé, il t'enterre, t'es mort. C'est musqué quand même. Moi, je pense que c'est musqué et qu'il m'arrache, mais je pense que je peux quand même me battre, en vrai de vrai. Un chimpanzé, c'est aussi fort que 5 hommes. La mouette. La mouette, les gars. 5 hommes, oui, pas 5 linkas. Voilà, dis-lui qu'a bu. La mouette, les gars, je pense qu'en vrai de vrai, tu transpires. Tu la tabasses, vas-y, c'est un oiseau et tout, elle va rien faire. Elle va faire quoi? Elle va me faire pic-pic. Je lui mets une droite, on n'en parle plus. Mais je pense que tu te fatigues à courir après. Elle vole autour du ring, ça doit être impossible d'attraper un oiseau. Ça doit être trop chiant. Elle vole, c'est relou, ouais, ça casse. Ouais, mais oubliez pas, on est dans un ring, les gars. Elle peut pas décoller à 6 mètres, c'est de la triche. C'est un ring où, voilà, on se démerde. Moi, je pense que il suffit que je l'attrape une seule fois pour que ce soit fini pour elle. C'est bon, le seul palmarès, c'est voler des gaufres sur la plage. Elle va rien faire du tout. Bison, les gars, je pense que je me fais déchirer. C'est peut-être même un speedrun, hein. En vrai, bison, je pense que c'est speedrun. Une charge de bison, ça doit être quelque chose, hein. Je lui fais pas de dégâts, mais oui, je lui fais pas de dégâts, c'est un tank, hein. C'est qu'à santé, quoi. 600 kilos, ouais, c'est mort. Non, l'inca, c'est pas une mouette, je peux pas te laisser dire ça. De quoi, c'est quoi? C'est un goéland? C'est un cacatoès? C'est quoi? Comment ça, c'est pas une mouette? C'est un goéland. Eh ben, ton goéland, je le fume quand même. Ça change quoi? C'est quoi un goéland? C'est plus grand? Je me rappelle plus comment c'est.
Goéland. Ouais, bah ça ressemble vachement à une mouette. Bonjour à tous, le printemps et le beau temps sont là. Peut-être que certains d'entre vous iront prendre des vacances à la mer. Donc je pense qu'il est temps de faire certainement l'une des vidéos les plus importantes qu'on ait fait jusqu'à maintenant. On va se poser une question d'environ 30 cm. Ah ouais, c'est hyper grand un goéland en fait. Bon, je pense que je le fume quand même, hein. Je le fume quand même, mais c'est grand. 15 minutes à plus juste la différence. Ben en gros, c'est juste, ça doit faire juste des plus gros caca, moi. En vrai de vrai, je pense que ça change rien. D'après moi, je le fume tout autant. Il te soulève, mais jamais, les gars. C'est un oiseau qui doit faire trop, qui doit faire 3 kilos. Quand je fais 80 kilos, vous voulez qu'il fasse quoi? Même s'il me pique avec son bec, je le détruis, genre. Je le détruis. Je n'ai pas dit que je sortais indemne, mais je pense que je le détruis. Il soulève ton sac poubelle, c'est tout. Voilà, il va faire quoi? Ça, un sanglier. Je crois que sanglier, c'est vraiment dangereux. Mais je pense que c'est serré quand même. Ça reste un cochon, quoi. Mais je pense qu'il gagne. Genre, d'après moi, ça se joue entre... En vrai, voilà, je pense serré que le sort me soit favorable. Genre, d'après moi, c'est un 50-50, voire un 60-40 pour lui. Mais je me dis, ça peut se faire. Sanglier te mange vivant. Peut-être que je meurs dans l'honneur. Il te fume de fou. Et vous pensez vraiment, les gars, que ça me fume, genre? Là, on parle pas d'un truc où... on parle pas d'un truc où... on n'est pas sur National Geographic, là, où ils imaginent le pire. Là, on est dans une cage et tu te bats pour ta vie, genre. Tu te bats pour ta vie, t'as le droit de faire tout. T'as le droit de crever les yeux, t'as le droit d'arracher la gorge, t'as le droit de croquer, t'as le droit de mordre, t'as le droit de faire ce que tu veux. Moi, je pense que c'est serré, hein. Franchement, je pense que c'est serré. 70 km/h. Il peut pas les prendre dans un ring, les 70 km/h. Ça charge entre 30 et 40. Mais on est dans un ring, les gars, jamais de la vie. Dans un ring, il a le temps, il a la distance de me faire une charge à 60. Hein. Sanglier, tu peux pas le test, laisse tomber. Je pense que c'est un peu serré en vrai. Après, peut-être je meurs dans l'honneur. Mais je sais pas, en vrai, moi je pense que tu peux claquer un sanglier. Les gars, il fonce, il me charge. Si j'esquive une charge, je monte sur son dos, je l'étrangle de toutes mes forces, genre. Tu te fais mêler si t'as main nue. Moi, je pense que c'est gagnable. Les dents de 10 cm. Un cuir, tu peux pas transpercer sans arme. Mais ouais, mais tu peux étouffer, tu peux tordre une patte, tu peux... Mec, si j'esquive une charge et que j'arrive sur son dos, mais j'arrache les pattes, hein, je remonte à l'envers comme ça. Et je mets comme ça le sanglier. Là, on parle de se battre pour sa vie, les gars. On parle de se battre pour sa vie. J'en fais un meuble Ikea, je vous jure, je le plie en deux. Un sanglier, ça peut faire beaucoup plus de 100 kilos. Ouais, mais on parle du sanglier moyen, genre. C'est pas un cochon, l'Inca. Moi, je pense que ça se joue. Moi, je pense vraiment que c'est entre les deux. Entre serré et je meurs dans l'honneur. Mais en tout cas, je m'en sors. Vas-y, je meurs dans l'honneur pour vous faire plaisir. Mais je vous dis ce que je pense. Au fond de moi, je le mettrai là parce que je pense que j'ai un 50-50 sanglier. Moi aussi, je me dis que je peux gagner contre ce truc. Moi, je pense vraiment que je peux. Déjà, tu crèves les yeux à tout le monde. Mais oui! Vas-y, va là! Va là, j'écoute pas le chat, c'est serré. Le sanglier, je peux le test. J'en suis sûr. Il va ici, et que ça vous plaise ou non. Je peux fumer ce sanglier. J'esquive une charge, je crève les yeux, j'y arrache les pattes, je mords les oreilles, je fais la totale. Bon, là, par contre, c'est les problèmes, là. Je crois que ça, c'est plus dangereux que les requins, déjà, les dauphins. En plus, tu veux faire quoi? Tu tapes dans l'eau, tu tapes tout mou, là? Tu te fais déchirer, genre. Je me fais déchirer. Après, on a dit que c'était dans une eau qui arrivait à mes genoux. En 12 minutes, Nemo, il est sur la plancha. Mais ça, là, en fait, le truc, c'est que ça nage trop vite. J'avais vu, en plus, c'est malin, hein, ça te fonce dans le foie et tout, ça t'éclate le ventre. L'ours. Oh, l'ours, il te met un coup de patte. Alors là, c'est speedrun mort et 10%, mais c'est du garanti. C'est speedrun, l'ours. Speedrun. Ça a l'air lent, je pense que je meurs dans l'honneur. Soit je meurs dans l'honneur, mais non, mais en vrai, c'est trop tanky. C'est trop tanky, ça fait 800 kilos, je peux mettre autant de claques que je veux, il va même pas bouger le truc. Il va être comme ça, genre... Pff, tu lui mets des claques, tu tapes dans du gras, c'est épais... Enfin, non, tu peux rien faire, en vrai. Mort, Any%. Any%, je pense pas, parce que ça doit pas être très rapide. Mais je pense que ça tanque trop, tu peux pas le toucher, genre. C'est comme si t'étais... C'est comme si tu jouais, comment Soraka. Et tu vas te taper contre un cas santé
qui est déjà full stuff, genre. Je pense que tu peux pas. Tu peux l'embêter un peu, mais à la fin, c'est la, voilà, il te soulève. Ça pèse une tonne, ouais, c'est mort. Hop, il va rejoindre les collègues là-haut, là. Mort et 10%, le tigre, c'est impossible. Il se marre quand tu le tapes. Ouais, je pense qu'il calcule même pas. Ça se trouve, il se vexe même pas si tu le tapes. Il est en mode, oh, il me fait des papouilles et tout. C'est possible, hein. Le tigre, vas-y, le tigre, il n'y a aucune chance. C'est mort de chez mort. C'est mort. En vrai, tigre, je sais que c'est mort. Ça, c'est quoi? C'est une chouette, ça? Ou truc dans le même style, quoi. Enfin, en vrai de vrai, je transpire un peu parce que ça vole, mais elle va rien faire, hein. Elle va me griffer. Bon, super, bravo. Bien fait, bravo à toi. Au moment où j'arrive à t'attraper, c'est fini. Hop, Edwige 2. Ah non, Edwige 2, claque terminée. Je croyais que c'était Edwige 2. On m'a dit qu'il fallait un remplaçant parce que Edwige était fichu. Non, non, mais voilà, ouais, ça va là, je pense. Et ça, c'est le même que l'autre, mais avec pas de dents. Moi, je pense que le combat, il est infini. Serré que le sort me soit favorable. Je pense qu'il tank à l'infini, mais il me fait pas de dégâts. Genre, c'est un combat de longue haleine, là. En plus, ça, c'est tout lent et tout. Ça a des dents, ouais, mais elles sont rangées. Elles sont rangées à l'intérieur, ça jamais ça match ma vitesse, hein. Faut juste pas qu'il t'écrase, mais ouais. Je cours autour du ring, et je lui mets des coups comme ça. Attends. Regarde, je vous montre mon plan de jeu. En vrai de vrai, c'est jouable, je pense. En mode, t'as... Ok, il est là. Ok, là, il y a le ring. Et moi, on va dire que je suis en rouge, là, je suis ça. Je suis ici. Je cours, je mets un coup de pied. Hop, je recours ici. Dès qu'il se retourne, hop, je cours, coup de pied. Je me replace. Coup de pied, je me replace. Et il a jamais le temps, en fait. Hop. Hop, hop. Hop. Je fais la technique de la marguerite. Hop, 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 hop. Je tourne autour. Je l'ai à l'usure, je pense. Physique, mais win. Win, je sais pas, mais je pense que c'est serré, en vrai. On dirait une fleur. Ouais, c'est la technique de la marguerite, les gars. C'est hyper connu dans le monde de la boxe. T'es mort de fatigue avant qu'il soit blessé. Ouais, c'est pour ça que je dis que le sort me soit favorable. Avec un peu de chance, je l'épuise un peu, il fait une crise cardiaque ou quoi. Regarde la gueule de la mâchoire d'un phoque. Mâchoire. Phoque. Oh, c'est Mimi, leurs dents. Mec, elles sont trop belles, leurs dents. Regarde. Il y a des vagues et tout dessus. Phoque crabier. Trop beau. T'es foutu, Linka. Mais les gars, mais jamais il mort. Comment vous voulez qu'il m'attrape? Moi, je pense que jamais il m'attrape, hein, les gars. Ça te déchire bien comme il faut. Ah ben, je suis d'accord que, par contre, s'il arrive à m'attraper, il me fout en l'air. Mais je vois pas à quelle heure il me chope. 20-25 km/h sur Terre. Ouais, mais vous, dans votre tête, en fait, vous allez voir sur Google et vous vous dites, ouais, ben, il peut aller ça en vitesse max. On est dans un ring. Jamais il prend sa vitesse. Jamais. Jamais de la vie entière, il prend la vitesse. Il est comme ça. Il va faire quoi? Il va applaudir, il va jongler avec une balle. Moi, je le fume. Je pense vraiment que c'est on se fatigue. On se fatigue l'un l'autre et point barre. Celui, bon ben... Speedrun mort et 10%. Hein. Le lion, je peux peut-être lui mettre 2-3 claques. Ça dort toute la journée. Et il va être allongé sur le ring, il va dormir. En attendant qu'il y ait une lionne qui vienne se battre à sa place, parce que ça délègue tout le temps, les lions. Et après, quand il va se rendre compte que la lionne, elle vient pas me fumer, c'est lui, il va me fumer. Mais je pense que j'ai le temps de lui mettre 2 claques. Je rigole, je suis speedrun et 10%, il me fume. Alligator ou crocodile, je sais pas ce que c'est la différence, mais bref. Chat. Est-ce que j'ai le droit à avoir du scotch? J'ai le droit d'avoir du scotch ou pas? Non? Ok. Ok. Attends, mais si je le prends comme ça... Attendez. Imaginez, ça, c'est les narines du croco, ok? Les petites narines, là, vous les voyez? Imaginez, j'arrive à passer au-dessus. Hop, je le bloque, comme ils font dans les reportages. Je bloque sa mâchoire, hop, pour pas qu'il puisse mordre. Et après, je fais ça. Comme ça, il meurt asphyxié. Je gagne. Genre, j'ai... Oh, je le maîtrise comme... maîtrise après. Je le mets comme ça, là. Les gars, je pense que ça se joue. Je pense que ça se joue en vrai de vrai. Je pense que ça se joue en vrai. Il va trop les tuer. En fait, le problème, c'est que si ça t'attrape... J'ai vu des vidéos de ça. Mec, il est là. T'as un cheval ou un truc qui se balade. Ok.
ça attrape la jambe, et après ça tourne. Ça tourne et tu vois les jambes, elles s'arrachent comme ça. Hop, ça s'arrache, t'as la bestiole, elle est comme ça, elle a plus de bras et tout. C'est horrible. Moi, je pense que je suis en speedrun et 10%. Moi, je pense... Ouais, pff. Moi, je pense que c'est peut-être un speedrun, hein. Il fait deux tours sur lui-même et tout. Moi, je pense que ça speedrun. Il y a moyen qu'il me fasse un 10%. En plus, on est dans un ring. De quoi j'arrive. C'est mort plus lente qu'un éléphant. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, en vrai de vrai, c'est sûr. Un âne. Je pense, je meurs dans l'honneur. Ça reste un truc qui peut te mettre un coup de sabot. 50-50. Je sais pas, les gars, un coup de sabot, c'est un délire, hein. Un âne, c'est grave serré, je suis sûr. Ouais, moi, je pense que on n'est pas sur 50-50 parce qu'en vrai de vrai, d'après moi, tu te mets. Je pense vraiment qu'un coup de sabot, les gars, vous vous rendez pas compte. Hein. Un coup de sabot bien placé, je suis out, c'est fini après. C'est plus petit qu'un zèbre. Et je pense que je peux quand même lui faire des dégâts. Le sanglier, tu te déglingues beaucoup plus que l'âne. Je sais pas. Est-ce que ça met des coups de sabot, un âne? Ça fait 500 kilos. Moi, je pense que je meurs dans l'honneur. Je pense que je meurs dans l'honneur, les gars. Sanglier supérieur à l'âne. Sanglier, j'ai mon plan de jeu. Personne ne me fera croire le contraire, les gars. J'ai un plan en tête. Le sanglier, il a perdu. Il est là, il est serré, et c'est serré. Et moi, je vous dis, je gagne contre un sanglier. Et je vais vous le prouver. Nouveau sub goal. 5000 subs, je me la mets contre un sanglier. Moi, je pense que j'ai mon plan de jeu, les gars, et que le sanglier, je le fume, voilà. Qui lui dit? Je sais que vous me croyez pas. Moi, je suis intimement convaincu que tu me mets contre un sanglier. Je peux faire quelque chose. On parle d'un sanglier dans un ring, pas un sanglier dans la forêt, là. Dans un ring de boxe classique. Combien de subs? Non, je peux pas faire ça. Maltraitance animale. Manmonk, t'imagines, t'as l'image. T'as ton image qui est associée à un combat contre un animal. Oh, pop, pop, le drama. Le drama, Manmonk. Non, c'est justement la question, c'est plutôt combien de subs pour que tu le fasses pas. Ok, 50 subs. Aigle, je pense que le sort me soit favorable. Raison de plus, la forêt, les arbres, c'est ta seule chance de survie contre un sanglier. Je vous jure, moi, j'y crois pas. Je pense, j'arrive à... Si j'esquive un truc, le sanglier, je le plie, je lui casse les jambes. Je lui casse tout. Mec, tu t'esquives, tu prends sa jambe, tu fais ça, clac, voilà, tiens. Tiens, le sanglier. Il va faire quoi, après? Il va aller chercher ses petits marcassins pour pleurer. L'aigle sur un ring, s'il a pas la hauteur... Genre, s'il a pas la hauteur pour me faire un piqué vénère ou quoi, on est dans un ring. Il va faire quoi? Il va me mettre un peu des crocs, un peu des... Il va me faire mal, c'est sûr, je prends... C'est sûr, je douille. Mais moi, je pense que c'est 50-50. Si j'arrive à l'attraper, il est fini. C'est le roi du ciel. Mais c'est le roi du ciel, mais c'est pas le roi du ring. Un aigle, tu lui tords le cou. Ah, moi, je pense vraiment, premier degré, que si jamais j'arrive pas à l'attraper, genre qu'il me met un mauvais coup, et je sais pas, il vole, il arrive avec ses serres, il me chope le cou, il m'arrache la jugulaire. Je meurs, ok? Là, je suis d'accord. Par contre, si il se chie, qu'il arrive, il me met les serres là, j'en sais rien, et que j'arrive à l'attraper, c'est le roi du ciel, pas le roi du ring, mais c'est vrai. Genre, là, il arrive, il va me planter, je vais douiller, ok? Mais je l'attrape le cou et c'est fini, genre. 100% l'aigle te détruit. Moi, je pense que non. Si on est dans un ring, les gars, je pense vraiment que c'est serré, premier degré. Taille d'un aigle, c'est grand. En vrai de vrai, l'aigle, c'est vraiment, je dis 50-50, c'est en mode, il faut pas qu'il m'attrape au mauvais endroit. Il est rapide. Mais les gars, il arrive, il me plante ses serres, il peut être aussi rapide qu'il veut. Si j'arrive à attraper, c'est fini. C'est chaud de l'attraper. Mais moi, je pense pas. S'il arrive et qu'il te met les serres, bah, il est sur toi, quoi. Il va pas arriver faire... Hop, et repartir direct. Il va arriver, il va me tenir, il va battre des ailes pour essayer de me fumer. Ben, il m'aura paralysé un bras, je serai comme ça, genre... Ah, ah. Et là, je prendrai toutes mes forces. J'attrape son cou, ou son aile, ou n'importe quoi, et après, c'est fini. C'est fini. T'attrapes, après, tu mets sous ta chaussure, tu tires, t'arraches le truc qui te reste dans la main. Ta-da! Voilà, et après, il fait quoi? Il a une aile, l'autre, elle est arrachée sous mon pied, et il est comme ça. Oh, et je le prends et je fume l'autre côté. C'est tout. Je fume tous les côtés de l'aigle. Moi, je pense vraiment qu'il y a un monde où si il me fait pas un coup fatal dès le début, je peux fumer l'aigle. Je vous le dis. Autruche, je pense que par contre, c'est pas le même délire. Je pense que c'est un peu le même. Je pense que c'est un peu le même genre de truc. C'est faut pas que je me prenne le mauvais coup, quoi. Je suis peut-être que je meurs dans l'honneur. Une autruche. Autruche, t'es dead 200%. Y a pas un monde où j'attrape son cou, les gars?
Autruche, elle te piétine. Autruche, ça rigole pas. Je me rappelle parce que j'ai, comment? Quand je bossais à la ferme, là, je vous avais déjà dit que j'avais bossé à la ferme quand j'étais plus jeune. Et on était allé à, comment ça s'appelle? On était allé dans un autre truc et il y avait des autruches. Bref, on s'en fout. Et ça a des pattes, les gars. Ça a des pattes, mais c'est énervé les pattes d'une autruche. Je pense au bout de 30 secondes, t'as plus Dieu contre une autruche. Ouais, je pense aussi qu'il y a moyen que ça me chiffonne. Mais ouais, mais si j'arrive à attraper son cou. En fait, j'ai l'impression qu'on oublie un peu trop que c'est combat à mort. Genre en mode, t'es là, tu te bats pour ta vie. Même si t'arrives et que tu prends le tarif. Mais tu fais tout ce que tu peux, genre. Il y a bien un moment où t'arrives à attraper un peu le cou, non? Pendant la baston. Vous pensez pas qu'il y a quelqu'un qui peut réussir à attraper le cou? Genre, elle me met des coups, j'ai juste à attraper le cou une fois et c'est fini, genre. Elle est beaucoup trop puissante, je me rends pas compte. Tu vas au sol avec l'autruche, c'est win, non? Je sais pas, parce que c'est plus gros que moi, je pense. Ça doit avoir une force de fou dans les jambes, et je pense que ça se débat. Et c'est dur, tu sais, c'est un coup, c'est petit quand même. Donc, je sais pas, si au sol est à son cou, je pense qu'elle arrive quand même à se débattre et à sortir de ton emprise et de te fumer, je pense. Puis ça doit être sacrément musclé. Je pense que je meurs dans l'honneur. Franchement, je pense que je peux réussir à lui mettre des dégâts. En vrai de vrai. Son cou, elle le tord, même si tu chopes son cou, ça va rien lui faire. Ouais, je pense aussi en vrai. Mais je pense que je peux mourir dans l'honneur. D'après moi, tu peux mettre des petits dégâts. Des petits dégâts à l'autruche, j'y crois. Mais je pense que je meurs à la fin. Je veux voir un combat homme-autruche maintenant, fais chier. Chameau. Mec, c'est énorme. Tu peux rien faire, genre. Je pense que je peux rien faire. C'est trop gros, bah ouais. Un daim. Enfin, un bambi. Un bambi, en vrai de vrai, c'est bonne chance. Vous me dites. T'as plus peur d'un chameau que d'un sanglier? Oui, oui, oui. C'est plus petit. Je vous ai dit, j'ai ma strat, le sanglier. Je vous m'aurai pas. Bambi, y a peut-être moyen. Petite côte cassée. Moi, je pense que tu te prends un coup de sabot d'un Bambi, tu le sens passer, les gars. Hein. Frérot Bambi, moins qu'aigle, respecte-toi. Moi, je pense que c'est la même merde. Hein. Les gars, ils me foncent dedans. J'ai plus peur de me battre contre un Bambi que contre un aigle. Hein. L'aigle, je l'attrape, c'est FF, alors que le Bambi, y'a rien qui me dit que je vais l'attraper. Hein. Ça peut mettre des coups de sabot, ça peut mettre des coups de tête. Dos, ça, c'est des pattes que tu peux casser. Je sais pas, mec. Vous, dans votre tête, vous allez arriver à immobiliser un Bambi, mais vous êtes des fous furieux ou quoi? Coup de tête. Moi, je pense que c'est bonne chance. Hein. D'après moi, c'est un 50-50. Tu viens friendly, tu exploses. Non, mais là, c'est une situation, on est en 1v1 et on sait qu'on doit se frapper, quoi. Moi, je pense que c'est bonne chance. C'est soit j'arrive à esquiver un coup et après, je peux mettre, je sais pas, sur lui, l'étrangler, j'en sais rien. Soit il me graille, hein. L'aigle, il te mange. Non, ceux qui disent ça, c'est que vous avez pas le contexte. Moi, je pense que sur un ring, il me mange pas. Il va me blesser et je peux le fumer. Et du coup, après, c'est bonne chance. C'est soit il m'a fait une blessure où je meurs, soit il m'a fait une blessure où je meurs pas et c'est lui qui meurt. En fait, le Bambi va là. Le problème, c'est que l'aigle devrait être plus haut. Non, l'aigle, 50-50. Je suis sûr, les gars. Je suis sûr. Genre... Écoutez ma théorie pour l'aigle. On est dans un ring, ok? T'as pas le droit de voler à 2 km ou je sais pas quoi, t'es dans un ring en mode pour te frapper. L'aigle, qu'est-ce qu'il va faire? Soit essayer de me planter ses serres. Non, en fait, il va essayer de me planter ses serres parce que c'est comme ça que ça attaque. Le bec, c'est pas pour attaquer, le bec, c'est pour manger. Il va m'attaquer avec ses serres avant de me mettre des coups de bec. Ok, il va m'attaquer avec ses serres, on est d'accord. Donc il va venir et il va me planter quelque part. L'épaule, le bras, la cuisse, le flanc, j'en sais rien. Mais à partir du moment où il est planté, je prends sa tête, je fais clac, voilà, c'est fini, il y a plus. Là, on se bat pour survivre. C'est pas en mode, vas-y, bah, c'est bon, je le laisse faire. Il vient, il m'attrape, j'attrape son cou, j'essaye de le fumer, quoi. Moi, je pense vraiment que c'est 50-50. Ma théorie, vraiment, pour moi, elle tient. T'as déjà vu, en vrai, ouais, j'en ai déjà vu. J'ai même fait un truc où je rattrape sur mon bras. Et Bambi, je sais pas.
Après, est-ce que là, c'est un bébé, c'est un bébé ou c'est un adulte? En vrai, c'est un bébé, les gars. Je lui offre une côte cassée, allez. Ok, un canard, je le monte en l'air. Il y a même pas de match, les gars. C'est bon, tu cours, hop. Au magret. Petit lapin, je le monte en l'air. Il peut rien faire, le lapin. Rhinocéros. Alors là, là, c'est du vrai 10%. Là, c'est du vrai de vrai. Panda roux, c'est trop mignon, jamais je le tape. J'arrive comme ça et je fais, vas-y. Je me bats pas contre un panda roux, c'est mort. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Je peux pas me battre contre un panda roux, c'est le truc le plus mignon de la planète. Je le fume pour toi, le panda. En vrai, panda, je pense... En vrai, le lapin, je pense, transpire un peu parce que ça court. Ça court, ça saute, ça doit être un peu dur à attraper. Panda roux aussi, je pense. Ça doit être comme... Ça, je pense, c'est comme ça. Mais non, un lapin, en vrai, je le monte en l'air, même pas il me touche. En fait. Et même ça. Pandarou. Remarque, Pandarou, je pense, c'est un peu hargneux. Ça doit avoir des griffes, des trucs. Je pense que ça peut te blesser un petit peu. Genre, tu dois transpirer un peu, je pense. Je pense. Non, mais du coup, je fais ça. Je fais ça, en vrai. Ça, c'est trop mignon. Je pense, là, c'est mieux, là. En mode transpire un peu parce qu'il y a de la course à pied, tu vois. Alors là, je dois courir un peu pour lui mettre un taquet, l'appareil et tout. Je pense que c'est bien. C'est vrai que Pandarou, en plus, le palmarès, c'est quoi? C'est qu'il se met debout pour impressionner. Tu vas impressionner personne, mon grand. Même si tu te mets debout avec tes 30 cm, là, ça va rien faire du tout. Debout, pas debout, moi j'arrive, je mets mon meilleur coup de pied. Je vais le chercher bien loin en arrière. Là, il impressionne personne. Ça, le chien, par contre, je pense qu'il y a moyen que tu meurs en vrai, hein. Le nombre de faits divers qu'il y a avec des chiens. Après, je pense que tu peux aussi tuer un chien. Je pense que c'est un 50-50, le chien. Je pense que plus le sort est favorable. Ça dépend du chien, ça dépend de plein de trucs. 50-50, ouais, je suis assez d'accord. Ça dépend trop de la race. Bah là, si on part du principe que c'est ce qu'on voit, donc c'est quoi, c'est un bulldog? En vrai de vrai, je pense que c'est serré. C'est en mode, voilà, ça t'emmerde, ça te fait des bons crocs et tout. Mais si t'es en mode, c'est toi ou lui... Je pense que t'arrives à le tuer. Je pense que t'arrives à gagner. Faut voir où il te mord et tout, quoi. Je suis seul à penser que le sanglier est pas à sa place. Non, il y a tout le monde qui le pense, j'aime, sauf moi. Moi, je pense vraiment que si j'arrive à esquiver le sanglier, il a aucune chance. C'est ma théorie. Du coup, c'est lui ou moi, tu vois. Moi, ma logique, c'est ça. Non, t'inquiète, juste l'Inca se rend pas compte de la puissance de la bête. Je me rends compte parce que je vois bien les dégâts que ça fait à des bagnoles, des trucs comme ça. C'est juste que vous écoutez pas le contexte. Vous voyez le sanglier qui a toute sa forêt, qui peut courir, qui peut charger et tout. Là, on est dans un ring. On est dans un ring, il a 2 mètres. Il peut pas me faire une charge mortelle, le truc. Il me court dessus, je saute. Le sanglier, il prend un camion, il repart. Ouais, mais est-ce que le camion, il monte sur le dos du sanglier et il le mord à la carotide? Ben, je crois pas. Alors que l'Inca, oui. Moi, je lui mords, je monte dessus, je mords la carotide, je mords la jugulaire, j'arrache les pattes, je les retourne, je fais la totale. Moi, je pense que je lui fais des dégâts au sanglier. Franchement, ma théorie du sanglier, je la laisse comme ça. C'est un 50-50. Pourquoi tu bats pas le singe? C'est un humain en moins développé. Ouais, mais avec la force de 50 humains aussi. Genre, exemple, le chimpanzé a jamais sub 30 sur Minecraft. Carmano, je suis sûr que si. Je suis dans ton camp pour le sanglier, mais on se trompe peut-être. Peut-être qu'Abu, mais moi j'y crois. Je pense que c'est un vrai 50-50 en mode, faut pas se prendre le premier coup. Ça a l'air d'être un truc venimeux. Ça, on dirait genre un crotal ou un truc comme ça. Ça me fait peur. T'as déjà vu le coup d'un sanglier? Mais les gars, le sanglier, une fois que j'ai cassé ses 4 pattes là, il fait plus rien après. Il fait plus rien. Ça, c'est quoi? C'est une anémone de mer, ça? Je le monte en l'air et point barre, hein. C'est du corail? C'est quoi, chat? Je pense que c'est du corail. Ça, c'est quoi? Je crois que c'est un crabe cocotier. Mais que tu sautes à pieds joints dessus. Hop. Ça, y a plus. Un chat, les gars. Je pense. Petite côte cassée, au calme. Mais je pense qu'un chat, il y a moyen que ça fasse vraiment mal. Parce que si les propriétaires de chats ont déjà vu leur chat se battre, vous comprenez. Va séparer deux chats qui se fightent. Un chat, quand c'est énervé, c'est vraiment, c'est un délire.
C'est fou. Genre, c'est fou. Je pense vraiment que tu prends des dégâts. Un jade casse une côte, mais jamais. Non, mais casser une côte, c'est façon de parler. Genre, en gros, c'est tu prends des dégâts, quoi. Voilà, attends, tu préfères, regarde. Je prends. Voilà. Tu prends des dégâts, mais au calme, voilà. Tu prends des dégâts, mais au calme. C'est ça, en gros. Tu te prends. C'est tellement vif, un chat, les gars. Un chat en pur contexte, 1v1 ring, il sait qu'il doit te buter. T'es fini, mon pauvre ami. Mais non, mais t'es malade, par contre. Le chat, tu lui mets un coup de pied, c'est terminé, hein. C'est juste, ça fait des dégâts. Mais il a pas le kit pour te tuer, genre, le chat. Il lui faudrait trop de travail. Mon chat, il m'a déjà griffé, ça va pas assez profond pour faire quoi que ce soit. Hein. Genre, il me fait des dégâts, c'est sûr, mais je pense que la finalité, c'est que le chat, il est KO technique. Il est mort. Une chièvre. Ça, je pense, tu prends des dégâts, mais tu la fumes. Hein. En vrai. Parce que la charge d'une chèvre, ça fait mal. Mais bon. Pfff. Arnaud, je vais peut-être changer de team. Cherche taille sanglier homme sur Google. Hein? Ah, j'avoue que je vais faire du vélo, j'en croise des sangliers. C'est un bison le truc. C'est un bison. Je suis tombé sur ça aussi. Non, mais les gars, j'en ai déjà vu. Ouais, mais mec, il fait 50 cm lui. Il fait 5 mètres, pardon. Non, mais les gars, j'en ai déjà. Franchement, ceux qui. Quand je vais faire du vélo, ils sont comme ça, hein. Genre non mais d'accord, si on parle de trucs où c'est croisé avec je sais pas quoi, ils font 50 mètres. Oui, oui, un comme ça, regarde. Sanglier record 174 kilos. Moi je te parle d'un sanglier normal. Genre les comme ça là. Non, je parle du sanglier moyen. Bah celui de la photo en fait. Un pingouin mec. Il va faire quoi? Ça marche à deux à l'heure et tout, je le monte en l'air le pingouin. L'étoile de mer, elle fait pas une seconde. Flamant rose. Je pense tu transpires un peu. Tiens, le flamant rose, mais même pas. Tu casses tes pattes et voilà, mais ouais, tu fais rien. Sur un ring, il peut rien faire, genre. Il a même pas l'amplitude de faire quoi que ce soit. Putain, par contre, là, je vois. Tortue, les gars. Salut, il y a moyen Luca. Que ce soit. Comment tu vas? Je sais pas, mec. Tu peux pas lui faire de dégâts, la tortue. ChatGPT, réponse au dilemme. Dans un combat à mort entre un streamer et un sanglier dans le monde réel, il n'y a vraiment aucune situation où cela devrait ou pourrait se produire. Les sangliers sont des animaux sauvages potentiellement dangereux. Affronter de tels animaux serait extrêmement risqué pour un être humain. Mais pour quelqu'un qui pratique des sports de combat ou qui est physiquement fort, les sangliers ont des défenses redoutables et peuvent être agressifs. Ouais, voilà. Mais moi, pour moi, c'est un 50-50. Je suis d'accord avec le truc. Et en plus de ça, t'as pas précisé que c'était dans un ring. Donc pour eux, il est dans son truc naturel. Bah, pour eux, la tortue, tu la mets sur le dos et t'attends qu'elle meure de vieillesse, quoi. En vrai de vrai, je la monte en l'air, la tortue. Hein. Tu meurs de vieillesse contre une tortue. Ouais, mais au pire, tu la secoues. Tu la prends et tu secoues jusqu'à ce qu'elle elle s'évanouisse. Et après, quand elle s'évanouit, tu sors la tête et tu la croques. Hop. Je pense que c'est bon. Ça, c'est quoi? C'est un tapir, il va faire quoi? Le seul palmarès, c'est tirer la langue à 40 cm. On n'en fait rien de ça. Je le mets là, pareil. C'est nul, ça. Il peut rien faire, il a qu'une langue. Voilà, super, le palmarès de l'animal. Une langue. Fourmilier. Ouais, c'est nul, il va rien faire. Il peut juste en tirer la langue. Mais pour la mettre où? Il y a rien. Il est mort. Ça dégage. Girafe, mais je pense que c'est speedrun. Mec, tu veux faire quoi contre une girafe? Elle rentre même pas dans le ring. C'est gros, non? Ouais, mais tu t'en fous, il va rien faire. Fourmilier, c'est 50-50. What? Mais attends, mais vous êtes fous. Fais voir comment c'est. Fourmilier. Mec, il y a aucun monde où j'ai un 50-50 contre ça, là. Il y a aucun monde où c'est 50-50, hein. Tire-site de l'âge de glace. Il n'y a pas de 50-50 qui tiennent, là. Je le fous droit, le truc. Par contre, c'est gros, la vache. Regarde. Je pense juste que tu transpires un peu, mais d'après moi, franchement, je pense qu'il fait rien, les gars. Je pense qu'il fait rien. À la limite, mais il transpire un peu parce qu'il faut courir. Les griffes. Mais jamais il me griffe. Jamais il me griffe. Griffe fourmilier.
Grand fourmier dispose sur ses pattes antérieures de 4 griffes affûtées dont la plus longue sur le médian atteint 10 cm. Ah ok quand même. Bon par contre ça a des griffes énervées. En vrai il me met un coup de griffe, je pense que je le sens passer le truc. Ah, c'est peut-être plus compliqué que ça en fait. C'est peut-être bonne chance. C'est peut-être un 50-50 en fait. Mais il y a moyen que ce soit serré, c'est inoffensif. Moi je pense que je l'encule. En fait vas-y je reste sur mon truc. Je transpire un peu parce que vas-y faut l'attraper mais je pense que je le fous droit. Une méduse. Bah t'attrapes par le chapeau là où ça pique pas et après tu la jettes hein, à la poubelle. Méduse elle va faire quoi? Il se bat pour sa vie. Arnaud il t'ouvre le ventre t'es fini. Vas-y bah je prends des dégâts alors mais au calme. En vrai moi je pense que je bats un fourmilier. Méduse les gars après celle de la photo elle a l'air vénère. MDR méduse jamais tu l'as. J'ai grandi dans le sud de la France des méduses j'en ai attrapé 50 par après-midi. Y a pas de soucis hein, pour les méduses. Faut voir ce que c'est comme méduse en fait, c'est plus ça le truc. Si c'est les méduses de la Côte d'Azur, t'inquiète pas, je sais d'avance que je gagne. Hein. Après, si c'est les méduses en mode elle te touche, t'es mort, ça c'est un peu compliqué. T'as du level en méduse. Ah bah c'était le grand jeu. Hein. Pour pas se faire foudroyer par les méduses, on les attrapait par le chapeau, on les balançait et tout, donc tranquille. Une seule fois j'ai perdu contre une méduse et il y a un vieux qui a proposé de me pisser sur la gorge. Et j'ai encore la cicatrice sur ma gorge. C'est vrai en plus. Mais oui, la méduse, sur un ring, elle peut rien faire. Après, Crazy, c'est pour les animaux aquatiques, il y a de l'eau jusqu'au genou. Pardon, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà raconté, j'avais nagé. Il y a une méduse, elle s'est fixée comme ça. Genre, j'ai nagé, tu sais, dans le jeu, sans faire gaffe à la mer. Et je me suis pris une méduse là, et elle est restée bloquée sur mon cou. Du coup, je suis sorti du truc, en mode, ah, j'étais en train de crever et tout. On m'a enlevé la méduse. J'avais le cou foudroyé, j'étais tout rouge, tout le tour du cou et tout ça. J'avais la trace des filaments, machin. On m'a allongé par terre, j'étais petit. Hein. Et il y a quelqu'un qui est venu qui a dit « Faut frotter son cou avec du sable !» Et quelqu'un qui a dit qu'il fallait mettre du vinaigre. Et il y a un vieux qui a dit « Il faut pisser dessus !» Et j'étais en mode « C'est mort !» C'est mort, je pleurais et tout. Je dis « Personne ne pissera dessus !» Personne. Pour finir, on m'a frotté avec du sable, on m'a mis de l'eau et tout. J'ai tellement pleuré, ça m'a défoncé. Et j'ai encore la cicatrice, elle se voit un peu. C'était super. Je crois que c'est le sable mieux, je sais pas. Je sais juste que j'avais pris cher et qu'il y avait un vieux qui voulait me pisser dessus. C'est tout ce que je sais. La pisse, il y a un truc réel derrière ça. Je sais pas, je pense que c'est des croyances. Hein. Je vois même pas pourquoi de la pisse, ça t'aiderait, quoi. Mais bref, voilà, je pense que là, on est bien. Ça, les gars, je pense que tu transpires un peu, mais tu le montes en l'air. Parce que le palmarès, il s'accroche à moi, et il mord un peu, ça a des tout petites dents. Genre, je pense que je prends des dégâts. Je pense que tu prends des dégâts parce que ça croque et que ça fait mal. Je pense que je me mets là. Je pense que je me prends en dégâts. C'est quoi? Bah c'est une pieuvre, non? C'est une pieuvre. D'ailleurs, le savez-vous, pieuvre, c'était le nom d'un personnage dans un roman. Et depuis, et vu que ça a été associé à ce roman, bah, on appelle une pieuvre, alors que de base, ce n'est pas une pieuvre. Et ouais, c'est fou, hein, j'ai vu ça sur Instagram. Vous avez vu? Quel roman? Je sais plus. Je sais plus. Bon chat! En vrai de vrai, je prends des dégâts, quand même. Travailleur de la mer de Victor Hugo. Merci, Claclux. Merci. Pieuvre, ça fait très mal avec les ventouses. C'est pas mal, les ventouses. Non, ce qui fait mal, c'est les crocs. Parce que ça a des petites dents, ça mange des carapaces de crabe et tout. Hein. Donc ça a quand même de la puissance. Mais bon, pendant qu'elle me chique le genou, je lui plante mes doigts dans la tête, quoi. Elle t'étrangle. Jamais de la vie. Pour m'étrangler, faut qu'elle monte jusqu'à ma tête, déjà. Je vais pas me laisser faire. C'est quoi, ça? C'est un éléphant de mer? Je crois que c'est un éléphant de mer, mais je suis pas sûr. Ouais. Éléphant de mer, je pense que ça tanque de fou. Je pense que ça fait pas trop de dégâts, mais ça tanque de zinzin. Je pense que je meurs, en vrai. Mais dans l'honneur. Regarde, combat d'éléphant de mer, j'avais déjà vu, ça se lève et ça tape et tout avec la tête, machin. Je pense que ça me fait... Je pense que la finalité, c'est que je meurs. Genre, je peux sûrement mettre des coups, lui faire un peu de dégâts et tout. Mais vas-y, ça fait 300 kilos, le merdier. Toi, t'as jamais vu les renards tibétains? C'est quoi un renard tibétain? Renard tibétain. Pour
Pourquoi c'est moche comme ça? Mais mec, mais on dirait un mème. Mais c'est quoi ce truc? Comment c'est chum? Mais attendez, mais c'est trop, c'est tellement disproportionné, ça va pas du tout comme animal. On dirait un mème pour de vrai. Mais mec... C'est... Il est suspicieux. C'est vrai qu'il est tout, il est tout le temps sus un peu. Oh, l'enfer, c'est trop moche. En fait, c'est un animal vivant, on dirait qu'il est empaillé. Il... C'est une IA qui l'a faite. Tu parles mal, bah c'est hideux. Hein. On me fera pas dire le contraire. Koala, les gars, je pense que c'est serré. Parce que ça a des sacrées griffes. Mais je sais même pas, en vrai, c'est tout petit, tu cours, tu le fumes, c'est même pas si rapide et tout. En vrai, je pense que c'est pas serré. Je pense que je prends des dégâts. Je pense que je prends des dégâts, mais je le fume. Même pas, j'en ai vu, en vrai, même pas. Je sais même pas si je transpire, en fait, je réfléchis là. Tu mets un gros chassé et voilà, hein. En plus, il faudra pas se battre, il faudra dormir. Check poids, éléphant de mer, mâle. Attends, je regarde. Éléphant de mer, poids. Ok, le mâle, ça peut aller jusqu'à 4 tonnes, chat. C'est énorme. J'avoue, je voyais pas ça aussi gros, par contre. 4 tonnes, mec. Mais 4 tonnes, mais ouais, je peux rien faire, jamais je lui fais de dégâts. Tu lui mets un coup de poing, il te regarde en mode... Sympa ta caresse, allez, viens par là, mon cochon. Et hop, et là, il te fout droit. Il te montre qui est qui, c'est sûr. Paresseux. Paresseux, ça a quand même des griffes énormes. Par contre, ça fait peur en vrai. Paresseux, ça a un côté un peu flippant. En vrai, je pense que je peux. Ça va pas assez vite. En vrai, non, c'est trop lent. C'est trop lent. Ça a des griffes énormes, mais vas-y, j'arrive. Je mets juste des coups de pied, quoi. C'est trop lent. Je pense qu'il me met même pas de dégâts. Il met même pas de dégâts, je pense. Ça, c'est quoi, ça? C'est un furet? Furet, je pense, je prends des dégâts. En vrai, de vrai, je pense que. Tu le kite, ouais, en vrai je le full kite, il peut rien faire. Mais bah, furet, je pense que ça me met des dégâts par contre. C'est tellement vif, agressif et tout. Je pense vraiment que ça me met des dégâts. C'est tout petit un furet. Ouais, mais je te jure, Kabu, j'ai des potes qu'on a, j'ai des amis qui avaient deux furets et c'est un truc de fou, genre. Comment c'est vif? C'est inattrapable. C'est vraiment, c'est aussi vif que ton chat, genre. Du coup, je pense que je mets avec la catégorie des chats. En mode, si tu réussis à le stopper un moment, il peut rien faire, parce que c'est trop petit, genre tu l'écrases, il est écrasé quoi, c'est fini. Ça c'est quoi, c'est un orang-outan? Je pense que orang-outan, je suis sapé aussi, hein. C'est peut-être même un speedrun, c'est vrai. C'est peut-être même un speedrun. Je pense, les gars, je pense que panda, il y a un monde où c'est, où c'est sous speedrun le panda. Je pense que c'est surpuissant. Mais les gars, ça craque un bambou. À main nue. Imagine ce qu'il fait à ma jambe ou quoi. Il t'éclate. Moi, je pense aussi que ça m'éclate. Par contre, c'est très con. Vous pensez qu'un panda, je lui mets des petits dégâts ou pas? Ouais, même la mâchoire. Moi, je pense que ça m'atomise, les gars. Je pense que tu mets même pas de dégâts. Ou alors, tu mets un coup. Genre, je mets un coup. Un bon coup quand même, je pense. Je pense que je suis un peu sa pute. Dracon de Komodo, c'est speedrun et 10%, les gars. Ça te met un croc, c'est fini, tu meurs empoisonné. Genre, je crois que ça fait partie des trucs les plus dangereux de la planète et tout. Genre, Dracon de Komodo, c'est intestable. Intestable, c'est mort et 10% sûr à 100%. Ouais, si c'est Kung Fu Panda, c'est mort de chez mort. Renard, je pense que c'est un peu le même délire que le chien. Mais c'est même plus petit. Renard, je gagne quand même en vrai. Même si je prends des dégâts, les gars. C'est petit. Non. Mais il suffit que t'attrapes la queue. Les gars, si t'attrapes la queue, je fais tourner. Hein. C'est vif, ouais, c'est vif. Mais si, quand il me mord, je peux attraper un truc. Je le claque, hein. Je l'attrape par le cou, je le tape par terre ou je fais tourner. J'en sais rien, je pense que je peux faire un truc en vrai. Je pense que ça va en 50-50. Je pense que 50-50 c'est mérité. Aussi gros qu'un chien. Ouais, moi j'y crois.
vu qu'on est dans un cartoon. Mais non, mais en vrai de vrai, la théorie, elle fonctionne, quoi. Si tu t'es là, tu te bats pour ces questions de vie ou de mort. Moi, le n'importe quel truc que j'arrive à l'attraper, après, je lâche pas, quoi. Le but, c'est de tuer. Le but, c'est d'abattre. Il te mord, t'attrape et tu fais ce que t'as à faire, quoi. La hyène, c'est un speedrun. Ah, je pense que la hyène, ça me fout droit. Ça a des mâchoires de fou. Après, remarque, je pense pas que ce soit speedrun. Parce qu'elle a pas ses copains. C'est hyper flippant, ouais, ça fait peur. Mais ça se bat à plusieurs, tu sais, genre tout seul, je pense qu'elle sera un peu désarçonnée. Je pense que c'est pas un speedrun. Le guépard, bon bah voilà, hein. Il me saute à la gorge, je peux rien faire, il m'arrache tout, il me traîne par terre, il me... Je suis sa chose. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr. Elle te saute dessus, la hyène, pied-bouche, elle meurt. Mais oui, voilà, je lui montre. J'ai bougé le phoque, il est où le phoque? Je mettrai dans serré, parce que ça attaque pas, quoi. Ça tanque de fou, mais ça attaque pas, je l'épuise. Serré, vas-y, bah tant mieux. Blaireau, je pense que je le monte en l'air, le blaireau. En vrai, il y a moyen que je prenne des dégâts quand même. Dégâts, je pense, parce que ça a des grosses griffes. Je pense que je mets dans des, j'ai des dégâts. Lama, j'en ai vu plein, en vrai de vrai, je gagne, je pense. Je pense que ça fait rien, Lama. Ça se voit, c'est inoffensif et tout. Je vais mettre serré par principe parce que ça court vite et que ça a des grandes pattes, mais je pense que je le fume. Nina, ton lama, je pense que je le coupe en deux. Je le mets même là-dedans, genre. En dessous, c'est comme un cheval. Non, c'est pas comme un cheval. Là, tu dis ça, t'as jamais vu de lama de ta vie. Requin. Requin, les gars, je meurs dans l'honneur. Je meurs dans l'honneur. Rappelez-vous, chat. Chat, rappelez-vous. Rappelez-vous. Il va te fumer, c'est 10 secondes max. Ok. Je vois que vous avez oublié les règles du Fight Club. Ring, haut à hauteur de genou. Or, le requin ne pourra pas me mordre. Il peut pas me mordre. Parce que pour me mordre, faut qu'il ouvre et faut qu'il se tourne s'il veut attraper mes jambes. Il y a assez large dos. Ah, moi, je pense que non, hein. Bien sûr que si. Les gars, c'est gros comme ça. Vous croyez qu'il va réussir à se mettre sur le côté? S'il se met sur le côté, il a plus pied. Moi, je pense que je peux réussir à lui mettre des claques. Genre, je pense qu'il me fume, mais je peux réussir à le taper. Et tu le fumes comment? Ah, bah, je le fume pas, je l'ai mis dans je meurs. Je meurs, mais dans l'honneur. Je peux réussir à lui mettre des claques. Genre, si ça arrive demain, vous verrez le truc, le combat, et vous direz putain, c'était pas ridicule. Le dauphin, il peut foncer et me foncer dedans. Bah, il a assez de place. Mais le requin, il mord. Moi, je pense que le requin, j'arrive à lui mettre des claques comme ça. Genre, je fais ta 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 ta. Et après, hop, au bout d'un moment, il arrive à me choper. Il m'emmène comme ça dans les bas-fonds. Et je meurs. Mais je pense que j'arrive à lui mettre une claque ou deux. Il te faut une bonne technique. Requin, dauphin. Non, c'est faux et ça a été prouvé. Il y a 10 fois plus d'accidents avec les dauphins qu'avec les requins. En plus, c'est plus agressif, les dauphins. Enfin, il y a tout. Et les dauphins, ça fonce dans les organes vitaux et tout. J'avais vu un reportage. C'est vraiment. C'est vous sous-estimez le dauphin. Vous sous-estimez le dauphin. Mais franchement, le requin, dans les conditions, je pense vraiment que j'arrive à lui mettre 2-3 claques. Et du coup, je meurs dans l'honneur parce que vous direz, putain, il a quand même réussi à mettre deux beignes à un requin. Donc, je suis dans l'honneur. Ça rentre dans la catégorie, je respecte, voilà. Vous serez en mode, ok, respect. Il est mort, mais il a mis 2 claques. Et ouais. Et ça, un puma, bah les gars, il m'arrache, hein. À quelle vitesse? Bah, toute allure. Je suis en speedrun et 10%, je pense. Puma, c'est au revoir, hein. C'est au revoir. En vrai, l'âne, les gars, je meurs pas dans l'honneur, non? Mais en vrai, je meurs pas contre un âne. En vrai, ce serait plus comme ça, je pense. Moi, je pense que c'est un 50-50. Monte leg, tout le monde demande. Et je m'en fous que tout le monde demande, c'est ma tier list, c'est pas la vôtre. Non, je pense que je reste sur l'honneur. Je pense qu'il y a un monde où un âne, ça me fume. Un mauvais coup de sabot ou quoi? Mercredi, Sally Face, Arty. Un mauvais coup de sabot. Kangourou, t'es sûr? Ouais. Kangourou, j'arrive à lui mettre 2-3 claques avant qu'il me tue, c'est sûr. J'ai vu la vidéo du mec qui défend son chien. Vous m'aurez pas, chat. Vous m'aurez pas.
Je meurs dans l'honneur. En fait, vous oubliez que tu meurs à la fin quand même. Genre, je perds. Je dis pas que je gagne. Mais j'arrive à lui mettre des claques. Sûr et certain. Sanglier, tu peux le monter. Non, j'esquive, j'arrache la patte. On meurt tous les deux. On meurt. C'est une mise à mort. C'est une mise à mort en équipe. Le sanglier. Kangourou, c'est Tignon 70 PV. Le kangourou, en vrai de vrai, je pense que tu perds à la fin, mais t'arrives à sauver l'honneur. L'honneur est sauf. Tu peux lui mettre trois claques. C'est sûr. Déjà, le kangourou, il s'attend même pas à ce qu'il y a un humain qui lui réponde. Tu vois la vidéo du mec qui défend son chien, qui met la droite au kangourou. Le kangourou, il est pantois. Il est en mode, what the fuck, attends, quelqu'un a osé me taper. Il tombe des nues. Ça se voit dans la vidéo qu'il est en mode, bah attends, mais quoi? Il s'attendait pas du tout à ce que quelqu'un lui mette une patate. Tu peux faire la même avec des youtubeurs. Vas-y, si vous voulez, une prochaine fois, on fera les youtubeurs que je bats à la bagarre.